Salut tout le monde, c'est BFA, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de ma série Mes Aventures. Et là, je suis dans un super clan, je suis chez The Unknown. Je ne sais pas si je prononce bien le nom de ce clan. C'est un clan français. Comme vous pouvez le voir, 38 guerres gagnées, 32 480 trophées au moment où je prenais cet enregistrement. 124e mondial. Vous voyez, il y a du lourd dans le clan, il y a énormément de champions, mais pas des petits champions, des champions qui sont à plus de 4000 trophées ou qui avoisinent les 4000 trophées pour certains. Avec même un level 200 qui est assez connu pour ceux qui fréquentent un peu le général, qui regardent un peu ce qui se passe dans les clans, qui recrutent, qui font coucou, etc. Et Keke qui a même été premier FR avec un record à 4314 trophées, il me semble. Voilà, GG à lui, une superbe performance. Et donc j'ai décidé de vous présenter ce clan, un clan où franchement, j'ai un gros coup de cœur pour ce clan parce qu'il y a une très bonne ambiance. Une ambiance plutôt de trentenaire, j'ai envie de dire. À 119e, pardon, là je vous ai dit 124e, on était 119e à ce stade-là de l'enregistrement. Pas mal de va-et-vient, donc forcément, avec des joueurs à ce niveau de trophée, ben, chaque départ, chaque visite, ça a un impact direct sur le classement mondial. Il y a donc beaucoup de. Voilà, c'est un clan plutôt adulte. Qui recrute aussi, voilà, je précise pour le dire tout de suite en début de vidéo, des joueurs de niveau 110 plus avec des troupes max et avec un niveau master 1 et qui donc voilà sont des joueurs très actifs, bien sûr adultes, matures, etc. Ça va de soi et qui soient des bons guerriers. Et donc j'ai décidé de vous présenter pas mal de gameplay, voilà, parce que j'ai pu faire une première guerre de clan chez eux et c'était un grand kiff. Voilà, parce que moi, comme je le dis souvent, je suis très amateur de guerre de clan, très amateur de guerre de clan de haut niveau, donc on tombe là forcément avec les bases qu'on a. J'étais 21e dans la map. Et donc forcément je suis tombé donc contre que des gens en face très lourds. Alors là, je vous présente tout de suite un premier gameplay de Lilou qui a attaqué le numéro 1 en face. Et elle fait du full dragon. Et vous regardez la technique, c'est assez intéressant. J'avais déjà vu cette technique avec d'autres joueurs. Donc, qui consiste à d'abord essayer de se débarrasser d'un premier anti-aérien avec comme déploiement un golem du château de clan qui va tanker et derrière la reine qui réussit déjà à se débarrasser du premier A. Ensuite, elle a trois sorts de foudre qu'elle va utiliser sur un deuxième anti-aérien, comme ceci. Voilà, donc ça c'est fait. Et après, bah voilà, 12 dragons à gérer pour essayer de nettoyer la base et en même temps aller frayer le chemin vers l'HDB. Donc elle décide de partir sur le coin haut et de nettoyer un petit peu sur le côté, peut-être pour éviter que les dragons fassent tout le tour. Alors pendant que les dragons font un petit peu leur travail tranquillement là, j'en profite pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe dans ce clan. Côté organisation de guerre, il y a un petit groupe Lean qui permet donc de se retrouver avec l'ensemble des joueurs. Il y a un principe de réservation des bases, donc avant que commence la guerre, ou même pendant la guerre si tout n'est pas encore réservé. Donc bah, les joueurs ont le temps d'aller regarder les bases qui les intéressent par rapport à leur proposition fétiche, voir celle qui va où ils se sentent le mieux. Le but, bien sûr, à ce niveau-là, c'est que tout le monde doit minimum faire 2 étoiles. Hein. Donc on est sur que des grosses bases, donc forcément on n'est pas en train de chercher en première attaque des 3 étoiles, ça c'est tant mieux, mais je veux dire que c'est pas l'exiger, c'est quelque chose qu'on peut exiger dans des clans un peu plus faibles, il y a des HDV9 où on sait que HDV9, 8, il y a des possibilités plus fréquentes de faire du 3 étoiles. Là c'est pas le cas, donc il faut jouer le 2 étoiles par contre. Et là, on joue des étoiles même sur les plus grosses bases. Hein. Donc là, à l'inverse, les petits clans, eux, cherchent parfois une étoile sur des grosses bases. Là, il n'y a pas moyen là. Faut pas jouer petit. Donc tout le monde a des troupes max. Donc voilà, avec des héros minimum, je sais pas, 15, 16 pour les plus petits, et puis ça va jusqu'à 40 pour les plus forts. Et voilà, donc en même temps, on voit le dragon qui tout juste passe et prend l'hôtel de ville, donc c'est bien joué. Puis après, voilà, déjà 52%, donc le reste après c'est pépère, c'est du bonus pour faire un gros pourcentage de dégâts. C'est bien pour les stats, mais c'est pas indispensable. Donc on réserve sa base, et après voilà, après on fait son job. Alors moi personnellement, j'avais pas réservé de base, donc j'ai regardé ce qui était libre. Et puis une fois que c'était libre, j'ai dit bon, bah, est-ce que je peux prendre celui-là? On va laisser faire. Je vous montrerai mon attaque après. Je voulais aussi vous montrer un petit peu ce qu'ils sont capables de faire. Donc voilà, il y en a en tout qui nous a fait un.
un beau gameplay au Valkyrie. Et je trouvais que c'est un gameplay qui est très intéressant parce que voilà, on voit aussi que même au niveau champion, il y en a qui quand même jouent avec des compos qui sont pas des plus classiques. Donc on a 10 Valkyries, 2 Golems, un PK max bien sûr, et je sais pas ce qu'il y a dans le château, je me rappelle plus. Ce qui m'avait intéressé, c'est aussi le fait qu'il utilise deux sorts de sauts. Et vous allez voir comment il. Donc il avait mis du cochon pour checker un petit peu ce qu'il y a dans le CDC, et apparemment ça c'est bien, il n'y a pas grand chose. Et il va utiliser deux sorts de sauts et zéro casse-brique. Donc c'est assez intéressant de voir comment ça se passe, et vous allez voir que ça va être assez concluant. Donc un premier sort de son fait pour la première ligne de mur, et le deuxième classique pour aller au centre vers l'HDV. Donc là il le met bien comme il faut, c'est-à-dire qu'on voit que le deuxième sort de saut il est à cheval sur deux murs, donc ça permet d'en sauter deux en même temps, enfin en même temps un après l'autre, mais il aura ce double effet. Il a placé un golem à droite pour pouvoir aussi nettoyer les bâtiments. Donc tout l'extérieur quand même du côté de l'attaque, parce qu'il ne faut pas non plus que les troupes ne se dirigent pas vers le sort de saut et qu'elles aillent sur le côté parce qu'au bout d'un moment devient plus proche les bâtiments du côté droit. Donc même si c'est pas par là qu'il veut passer, il faut quand même qu'il les nettoie pour laisser le chemin correct sur les trucs. Et les Valkyries, comme vous avez vu, elles sont rentrées, elles font un carnage. Regardez là comment l'hôtel de ville va. En 2-2, il a été pris, c'est assez impressionnant. Et donc c'est très efficace. Il a encore un PK qui permet de faire du dégât pour aller chercher le 50% avec le roi aussi, qui est en bonne forme. Donc voilà, je trouve que c'est un très beau gameplay. Et ça donne envie d'utiliser cette compo. Et même ouais, cette compo précise, même avec ces sorts-là, moi j'aimerais bien tester, voir ce que ça donne. Parce que j'ai jamais joué sur deux sorts de saut, je joue toujours sur un sort de saut. Voilà, je reviens sur la guerre que j'ai. Cette première guerre que j'ai qu'on a fait ensemble. Voilà, ça c'était la première base que j'ai attaquée. Comme mon sort de saut est max, je n'hésite plus à le balancer en début pour être tranquille. 60 secondes, c'est hyper long, enfin c'est super. Donc il n'y a pas à stresser au niveau de timing par rapport au sort de saut. Il est placé par rapport à là où je veux aller, c'est-à-dire au centre, et je sais par où je veux attaquer. Donc comme c'est la droite, j'attaque côté droit parce que je voulais passer. Donc jamais de front, moi, rarement avec les TDE. Donc j'en prends qu'une seule, et c'est celle de droite parce qu'elle est en mode multi et je pense qu'elle me fera moins mal. J'ai deux rages. Et le château de clan, je compte m'en débarrasser avec une foudre, si c'est pas déjà fait. Au moment où je vous parle sur la vidéo, je sais pas si c'était bien synchro. Voilà, donc j'ai nettoyé un petit peu en bas, et le but c'est de passer voilà, sur le sort de saut avec mes 4 PK. J'ai changé un peu ma compo, j'utilisais 5 PK d'habitude en Go Ape, là j'en ai enlevé un, j'ai mis deux sorcières à la place. Et je sais pas, je trouve que c'est un peu plus. Je sais pas, c'est pour un. Ouais, pour voir si je suis plus à l'aise, des fois j'étais un peu juste sur des 50%, et j'ai envie de voir si je suis plus à l'aise avec deux sorcières à l'arrière qui pourraient donner du renfort. Ça peut le faire, que je l'ai quand même assez derrière, assez protégé, donc ça peut être intéressant. Donc là ça se passe bien, j'ai encore mon PK qui va bien, ma drone qui est presque finie mais qui va pouvoir encore détruire deux bâtiments. Et en haut, il y a, je crois, il me reste deux archers que je vais utiliser pour, voilà, il y a des bâtiments qui sont plus. Ils sont plus sur protection, mais le 50% est déjà fait, donc après c'est que du bonus. Alors après, ce qui est intéressant, c'est effectivement en stratégie de guerre, c'est que là, ce que j'ai adoré, c'est que bon, alors quand je suis dans un clan avec des gens qui savent vraiment bien jouer, donc c'est très plaisant. Donc on a à la fois des grosses bases en face, et à la fois des gens qui ont des bases et qui savent attaquer des gens qui ont leur niveau de base. C'est souvent le problème qu'on trouve en guerre de clan dans beaucoup de clans de farming, c'est que les gens ont des super bases. Mais ils savent pas attaquer des gens qui ont la même base que la leur. Donc il y a une disproportion en fait entre leur niveau en défense et leur niveau en attaque. Là c'est pas le cas. Donc du coup, à ma grande, agréable surprise, quand il fallait faire ma deuxième attaque, je regarde ce qu'il y a en face, je regarde les loupés et en fait il n'y a pas de loupés, il y avait deux étoiles partout, voire même quelques trois, trois étoiles dans le bas. Donc j'ai voilà. Donc j'ai pris le dernier et je me suis dit, voilà, là le but maintenant c'est de faire trois étoiles mais là-dessus. Donc parce qu'il faut aller gratter une étoile, et donc c'est tout ce que j'ai trouvé. Enfin, il y en avait d'autres, mais c'est très compliqué. Même là, je me suis dit, je sais pas comment je vais le faire. Donc voilà, j'ai refait la même compo que tout à l'heure. C'est-à-dire les deux sorcières et mes 4 PK. Et le reste, Soso, deux golems, voilà, c'est une compo que vous avez déjà vue dans d'autres vidéos. J'ai mes deux héros qui n'ont pas tellement évolué depuis, parce que j'utilise beaucoup en guerre de clan, donc j'ai beaucoup d'élixirs noirs que j'utilise pas trop. Je vais être obligé à un moment donné de les EP, mais ça m'énerve un peu parce qu'en guerre ça me pénalise énormément de ne pas avoir mes deux héros.
Alors là, vous avez vu, il y avait un molosse de lave en défense, et c'est assez stressant de voir en fait quand le molosse on s'en débarrasse, déjà qu'il a beaucoup de points de vie, et tous ces petits roquets de lave là qui nous tombent dessus pour là, qui s'asseyent sur nous, et voilà, je m'en suis débarrassé, mais je veux dire, j'ai envie de dire, un peu comme c'est venu, c'était pas calculé du tout, je m'attendais pas du tout à avoir un molosse de lave en défense, c'est la première fois que je tombe sur ça. Là, ça s'est bien passé. Alors, du coup, je sais pas si c'est une bonne troupe en def ou pas. Je sais qu'on en avait parlé, ça a testé. Je trouve ça intéressant. Faut voir si c'est moi qui ai un coup de bol de comment je m'en suis débarrassé ou si c'est effectivement ouais, très efficace. Et voilà, donc à voir. Je suis à 75% là où je vous parle sur la vidéo et il me reste pas beaucoup de troupes. Et vous voyez que finalement, je vise un 100% qui est presque réalisable. Et vous allez voir le résultat à la fin. Suspense. À la limite, il faudrait que j'envoie la vidéo à Théo Trapa dans sa série Victoire ou pas, où c'est du 49%, ou enfin, est-ce qu'il va faire 49 ou 50%? Là, je pourrais lui dire, hein, tu peux faire une PCL, est-ce que je vais faire du 100 ou est-ce que je vais pas faire le 100%? Voilà, est-ce que je vais réaliser une 3 étoiles? Ça serait intéressant. En tout cas, voilà, j'ai pas cherché à changer de compo parce que j'aime bien utiliser toujours la mienne. Je sais qu'il y a des compos pour ce genre de base qui, pour tenter le 3 étoiles, y a pas énormément de compos qu'on peut choisir pour ça. Le Go White plat, il était encore jouable, bien que pas stable du tout, hein. Enfin pas assuré du tout. Si j'aurais des héros plus forts, je pense que ça aurait été à l'aise. Et là, vous voyez, je suis à 95. Sinon, il y a le cochon qui peut encore servir à faire du 3 étoiles si on sait bien l'utiliser et qu'on a une part de chance ou de réussite, on va dire. Et il y a aussi le full sorcière qui peut être un bon moyen d'aller chercher une troisième étoile sur des grosses bases. Et là, vous voyez, je suis à 99% et là, je me suis dit, bah, c'est bon. Et hop, 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 ma reine, elle se met à cogner un mur alors qu'elle aurait pu continuer dans le couloir et terminer dans le bâtiment. Et là, grosse erreur de ma part que j'ai vue après la vidéo, c'est que je me suis mis mince s'il me restait deux archers. Avec ces deux archers 7. Et eh ben, j'aurais fait le 100% et c'est un 99%. Voilà, déçu, mais c'est le jeu. Quelqu'un qui a réussi, lui, son pari là-dessus, c'est que voilà, c'est Antou qui a réussi à faire un 100% sur une base, ce qui n'est pas ridicule du tout. Alors, aller un peu plus en bas dans le tableau aussi, hein, moi aussi j'avais tenté le 100% sur la dernière. Lui, c'était vers les dernières aussi, mais c'était pas la toute dernière. Elle n'a pas tout max, mais pas loin, donc ça se joue à quelques tours d'archer, défense anti-aérienne, des choses de ce genre, les murs qui sont voilà moyennement élevés. C'est une base orientée, vous voyez les trucs triangulaires comme ça, tout en rond, on protège à fond le haut et en bas on bourrine de défense. Donc lui voilà, comme je vous disais, il y a pas voilà, il tente une compo pour qui peut faire son 3 étoiles, qui peut aussi faire un flop, hein, mais qui peut faire le 3 étoiles, c'est le full sorcière, utilisé judicieusement avec un sort de saut là sur les doubles murailles. Il y en a qui utilisent le full sorcière comme Dovahkiin. Je sais que lui, il fout par exemple les deux mortiers. Il utilise 4 foot pour deux mortiers, puis après, voilà, il gère comme ça. Lui, il a utilisé des sorts de gel, sorts de rage, sorts de saut. Donc, sorts de saut, oui, ça me paraît aussi une très bonne idée. Et vous voyez que ça se passe super bien. Donc, le golem devant qui tank. Il y avait un golem pour tanker, le reste c'était voilà, c'était de la sorcière, un peu de casse-brique pour les premiers murs. Et regardez le carnage, quoi. C'est magnifique. La reine et le roi commencent à être un peu fatigués, mais il y a quand même une masse de sorcières qui fait le boulot. Voilà. C'est un super 3 étoiles qui va se produire. Et donc, ben voilà, on va en rester là pour cette présentation de ce clan. Je vous invite à, si vous avez le niveau, bien sûr, hein, ne recommencez pas. Enfin, de toute façon, il faut 2600 trophées pour faire une invite, donc ça, voilà, ça va calmer certains déjà. Mais n'essayez pas si vous n'avez pas le niveau. Encore une fois, 110 plus, max base, max troupe, et bon guerrier. Et à ce moment-là, vous pouvez rejoindre ce clan de prestige et qui est à la fois très très sympathique, très bonne ambiance. Et voilà, je pense que voilà, on va entamer une nouvelle guerre avec eux pour moi. Je prends beaucoup de plaisir à faire des guerres chez eux et à voir aussi leur gameplay champion. Je vous montrerai d'autres gameplays de certains joueurs dans d'autres vidéos qui seront peut-être pas dédiées uniquement à ce clan-là, mais dans d'autres contextes. Et il y a vraiment des choses très très intéressantes à apprendre de ce genre de joueurs.
Et j'espère aussi peut-être un jour vous proposer en interview. On a déjà une X69 qui était venue. J'espère pouvoir avoir d'autres personnes de haut niveau qui pourront un petit peu nous raconter leur life haut en trophée parce que c'est vraiment un monde un peu à part et il y a beaucoup de choses à apprendre pour nous qui souhaitons un jour devenir champion. Ciao tout le monde!